Deux semaines à la tête de cette organisation, le patron de l'OMV s'entame une mission spéciale dans la première région administrative du Mali, Kidébi, chez le chef de l'exécutif régional, colonel Moussa Soumaré. La délégation prend ensuite la route pour se rendre dans un premier temps au barrage hydroélectrique de Felou. Après Felou, direction Gouina, à quelques 80 km de Kaï, s'est établi ce gigantesque projet qui se verra bientôt inauguré. Une visite particulière, car son Excellence Mohamed Abdelveta a pris un temps énorme pour s'informer dans les moindres détails. Direction Manantali. Le lendemain, samedi 19 novembre 2022, la délégation a été reçue par les autorités traditionnelles, les élus, chefs de village et la population de Manantali. La visite des installations de Manantali a été la dernière étape de cette tournée. Je tiens tout d'abord à remercier les autorités maliennes pour les conditions mises en place qui ont permis à notre mission de se dérouler dans d'excellentes conditions. Je remercie Monsieur le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, Monsieur Lamine Seydou Traoré. Je remercie le gouverneur de la région de Kaï, le colonel Moussa Soumaré, ainsi que les différentes autorités que nous avons eu à rencontrer tout au long de notre séjour. J'ai voulu, à l'entame de mon mandat en tant que haut-commissaire de l'OMVS, accompagné de la nouvelle équipe dirigeante de la SOGEM, de la CEMAF, ainsi que des coordonnateurs
de différents pays de l'organisation de me rendre sur les sites qui sont dans la région. Des sites qui, vous le savez, sont d'une importance capitale pour notre organisation, les sites de Felou, de Guina et de Manantali. J'ai pu voir et rencontrer les hommes et les femmes qui veillent au bon fonctionnement de ces installations, qui veillent 24 heures sur 24 à ce que cette énergie aujourd'hui utilisée dans nos pays soit disponible. Je salue ici leur dévouement, leur professionnalisme. Lors de ma visite à Manantali, c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer les représentants des autorités, des autorités coutumières et traditionnelles de Manantali, des différentes communes de la zone de Manantali. J'ai pu donc, à l'entame de mon mandat, venir les saluer et leur dire que je compte sur eux pour que ma mission en tant que haut-commissaire de l'OMVS consolide les acquis et continue à mener notre organisation vers des lendemains toujours meilleurs. C'est un honneur et un plaisir de fouler ce sol hospitalier de Kaï qui est en passe de me devenir si familier. Le nouveau commissaire de l'OMVS, M. Mohamed Abdel Fattah, fort inspiré, a tenu à faire la visite des différentes installations de la SOGEM. Ces infrastructures constituent non seulement la fierté des États membres de l'OMVS, mais aussi le cœur battant de la SOGEM. Je voudrais souligner que M. le haut-commissaire aurait pu attendre de faire le tour des dossiers sur son bureau pour décider d'aller sur le terrain. Il a voulu faire les choses autrement. À peine deux semaines après sa prise de fonction, le voilà en visite, en tournée à Kaï pour visiter les installations de Felou, Guina et Manantali. Il signifie clairement que son mandat sera celui du terrain, donc du concret, donc du pragmatisme. Je l'accompagne en tant que directeur général de la SOGEM pour l'édifier sur l'état de ses installations, le stade d'avancement des différents projets. Je l'accompagnerai aussi dans cette dynamique qu'il imprime au tout début de son mandat. Je ne saurais terminer sans remercier infiniment le colonel Moussa Soumaré, le gouverneur de la région de Kaï, pour son amabilité, disponibilité, hospitalité auquel il nous a toujours habitués. Nous nous sommes en charge de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages d'énergie de l'OMVS qui nous a été confié par la SOGEM. À ce titre, nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui et hier M. le haut-commissaire qui est venu visiter les installations, voir leur état de fonctionnement et ensuite prendre contact avec nos agents et également les populations riveraines. Cela a été un fort moment de communication puisque cela lui a permis de connaître les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais également cela lui a permis de faire passer son message d'encouragement, mais aussi son message sur sa vision, sur ce qu'il attend de nous. Nous nous sommes tenus de gérer ces exploitations selon des standards internationaux de disponibilité et de sécurité. C'est à cela que nous nous employons au bénéfice de nos sociétés d'électricité des trois pays membres. Donc nous voudrons le remercier pour cet important déplacement et avec notre société mère, la SOGEM, nous ferons tout notre possible pour atteindre ces objectifs.